Bah je suis content. Je suis content, beaucoup d'émotions là sur l'arrivée. Le plus dur c'est le bateau en fait qui fait que c'est dur. Ça reste des bateaux de 6 mètres 50 et la vraie dureté de cette course là c'est ça quoi. C'est vraiment des cagettes et traverser l'Atlantique là-dessus c'est pas évident quoi. Au poteau noir je me suis mis dans le rouge. Vraiment dans le rouge quoi. Sur la fin. Je savais que de toute façon après c'était du sud-est, qu'on allait avoir du prêt, qu'on allait pouvoir dormir. Donc j'ai rien lâché, j'étais à la barre beaucoup. Je pense que ils ont dû faire pas mal de. J'ai pas dû avoir tout à fait la même route. Parce que vu l'écart de vitesse que j'ai fait, j'ai beaucoup glissé, j'ai beaucoup fait de vitesse en fait. Plutôt que du cap en sortie de poteau noir pour me barrer assez vite. C'est comme le dit l'affiche, hein, c'est la plus solitaire des 3 mètres, c'est-à-dire que. Les concurrents n'ont pas de téléphone à bord, de moyens satellitaires pour téléphoner avec la Terre, de communiquer avec la Terre. Et puis, je crois que la philosophie, c'est de réunir tout le monde autour d'un projet avec des bateaux relativement accessibles, je dis relativement parce que les protos coûtent quand même relativement cher, mais et puis, je dirais sens marin et solidarité. Peut-être pas gagné la course, mais j'ai gagné la transat, c'est ce qui compte, non? Et non, voilà, je suis content, je réalise pas trop encore, je pense. Mais non, c'était. J'ai eu quelques petits. Je suis dans un passage à vide autour du Cap Vert. Après, j'ai réussi à me reprendre un peu et à repartir de plus belle. Faut pas oublier que c'est seulement ma 4e course en solitaire de toute ma vie. Donc, je pense que c'est plutôt bien, effectivement, comme résultat, quoi. Je suis plutôt content de. Plutôt content de ce classement quoi. Je me disais tout peut arriver et la course termine que quand on coupe la ligne. Donc depuis quelques jours j'étais bon assez disons nerveux. J'avais une grosse envie d'arriver, terminer et maintenant profiter. Je suis très content et avec le sentiment d'un travail bien fait, de toute une équipe qui m'a beaucoup aidé pendant ces 4 ans. Je suis vraiment content pour tout le monde parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Et là finalement, c'est l'accomplir de tout ce travail, c'est une vraie récompense pour beaucoup de monde, je pense. Les choses disons, les plus marquantes de cette édition, on pourrait dire les larmes de Thomas Ruyan sur la ligne d'arrivée, énormément d'émotions à son passage, à son arrivée ici à Bahia. On a vu aussi un poteau noir immense qui a redistribué les cartes, qui a donné aux marins énormément de fil à retordre. Énormément de bateaux dans le port ici, quoi. Des marins heureux d'arriver. Et, ça, c'est toujours exceptionnel quoi, de voir à quel point ils ont la banane quand ils arrivent ici. Quoi.